Messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans notre magazine Congo OETV depuis Melbourne. C'est l'heure de recevoir notre invité sur le plateau. Il y a quelques semaines, et plus précisément le 15 août dernier, il a été organisé à Melbourne une célébration du généraux congolais qui s'appelle Bakanga. Une journée de commémoration a été organisée par Justice and Peace, avec le concours de la communauté congolaise CICIVI. Sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons Pierre Kazadimwamba qui a travaillé avec Marc. Nous aurons l'occasion de lui demander beaucoup de questions sur le projet et peut-être quelques petites questions aussi en anglais. You talk about justice and peace? Yes, justice and peace is one of the 45 agents of Archdiocese of Melbourne. So the objective of this agency is to raise awareness of injustice in different communities. Mainly we do that in Catholic communities, but we also go beyond that and talk or raise awareness of what's happening around the world, such as in Congo, and that how can the project Bakanga initiated by Mark Clark, who I'm going to thank for that. So that's a bit of Justice and Peace Office of Archdiocese of Melbourne. Voilà, c'est pour introduire Pierre Kazadi en anglais. Il nous dira qui il est, mais pour l'instant, je voulais dire, nous allons entrer en français. Pouvez-vous brièvement nous parler de cet homme qui est Bakanga en Australie? Il vient de naître ou de revivre? Merci beaucoup, Florence. Nous sommes une agence de l'Église catholique qui a pour vocation de parler et de se lever et de défendre la justice sociale, soit de dénoncer tout ce qui est injustice. Eh bien, voilà, un saint a été victime de l'injustice à l'époque du roi Léopold II. Ce qui fait que notre agence, qui est sensible à tous ces genres d'injustices, a voulu, cette année, et pour la toute première fois, comme vous l'aviez dit, en Australie, célébrer le 100e anniversaire de la mort d'un martyr et héros qui a été assassiné, si vous voulez bien. Torturé, oui, sous l'injustice que le roi, le Paul II, était en train de faire subir aux Congolais. Voilà. Donc c'est un peu la raison pour laquelle nous avions tenu à célébrer cette journée ici en Australie. Pourquoi est-ce que la situation du Congo du temps de Bakanga et de nos jours a-t-elle réellement évolué? Je veux parler en termes du drame d'injustice. Oui, l'injustice est la vie courante, et voire même pire aujourd'hui au Congo. Parce que plus de 5 millions de Congolais ont été tués d'une injustice. Et aussi, les violations de droits humains. Les femmes sont violées. En fait, il y a toute une liste des choses que je n'aimerais pas énumérer sur ce plateau, mais cela peut
vous dire facilement que l'injustice dans notre pays qui est le Congo est en train de se faire vivre du jour au jour et voire même pire. Nous avons connu l'époque du roi Le Pol, et puis nous avons connu le colonialisme, et après nous avons connu l'époque dictatoriale. Donc ces trois étapes sont les causes de l'injustice que les Congolais sont en train de connaître aujourd'hui, et qui par conséquent, comme je venais de le dire, a emporté la vie de plus de 5 millions. Oui, peut-on dire que la célébration de la mort de Bakandja, qui a eu une messe dite en la mémoire, sera-t-elle une sorte de recherche de la mémoire de grands symboles héroïques de l'histoire congolaise pour la jeunesse? C'est pas mal. À l'époque de Bakandja, il n'y avait pas que lui. Il y a eu beaucoup de Congolais tués. Il y a eu beaucoup de Congolais qui ont eu des mains coupées parce qu'ils s'est révolté. Il y a eu des Congolais qui ont été assassinés massivement. Et là, j'évoque le nom du chef Luntulu, par exemple, qui, lui, avait dénoncé aussi les abus dont le roi Le Pol, à l'époque, et sa bande ont eu à perpétrer sur les Congolais. Donc, vous verrez bien que l'époque dont Bakandja a été tué entraîne beaucoup de victimes que aujourd'hui j'estime sont aussi des martyrs et des héros. Bakandja était chanceux parce que il était chrétien et chrétien catholique, si vous voulez bien. Oui. C'était sa chance. Mais les autres qui n'ont pas eu cette opportunité d'être chrétiens, c'est des martyrs ignorés, c'est des héros ignorés. Et avec la messe de Bakandja, nous sommes en train de penser à faire aussi quelque chose pour eux. D'ici là, par exemple, Luntulu, qui est toujours dans la région de l'Équateur où Bakandja a été tué, nous allons vivifier sa voix avec différentes manifestations et activités, attirer l'attention de la communauté internationale sur les injustices dont le peuple congolais sont victimes depuis l'époque de Le Pol. Et Luntulu, à l'époque, est un chef qui avait dénoncé cela et a porté à une commission qui était venue déposer les noms de toutes les personnes assassinées. Et j'en profite pour remercier l'archidiocèse de Kananga, en l'occurrence Excellence Monseigneur Madila, qui a daigné mettre à notre disposition les éléments matériels qui nous ont permis de tenir la dite messe. Et, aussi, j'en profite pour remercier le président de la commission sociale et communication, M. Beyangindu, qui lui aussi a mis à notre disposition tout ce qui nous a permis de célébrer la dite messe. Fantastique. Merci. Nous rappelons que nous avions une histoire héroïque et à retenir pour la République démocratique du Congo. Nous sommes au terme de notre numéro Congo OETV. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Notre proverbe du jour est « Batumba, tumba, ki bamene ». Les plus forts ne sont pas toujours les plus musclés ou ceux qui se vantent. Autrement dit, l'habit ne fait pas toujours le moine. C'est Florence, c'était plutôt Florence Chinandoku dans la réalisation de Milaoka, le tumba. À la semaine prochaine. Ciao.